Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour le début de cette nouvelle saison. Et pour ce lancement, nous avons une belle affiche à vous proposer entre deux équipes très différentes, mais qui partagent l'ambition de démarrer par une victoire. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Allez, ça peut faire mal. C'était pas mal du tout dans la construction. Ça aura juste manqué un peu de précision. Il joue sur sa gauche. Allez, Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Lionel Messi, forcément. C'est une légende. De Paul! Il est allé au bout de son action. Bien joué. En espérant qu'il ne va pas trop ruminer cette occasion manquée. Il a du talent, il en aura d'autres. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Vinicius Junior. Bien, la profondeur. De Paul! Bien repoussé par le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Neymar. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. C'est joué long, attention. Vinicius Junior! Oh dommage, la passe était parfaite. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. La passe en retrait vers son défenseur. Paredes. Quel rythme dans ce début de match. Il ne manque plus que des buts. Oui, mais j'espère qu'ils n'auront pas à regretter plus tard ces quelques occasions manquées. Il tire. Oh, le poteau. Oh, but pour River Plate. Il est toujours bien placé, la preuve. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. The goal scorer for River Plate, after 16 minutes, is number 20, Vinicius Junior. On y est, le compteur est débloqué. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Non, ça manque d'application. De Ligt. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Peut-être une occasion pour Messi. Il y va. Et le gardien est présent. Ah oui, superbe. Messi. Bellingham. Oh, la belle contre-attaque. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Leimer. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Non, ça manque d'application. Taliafico. Attention au contre. Le tacle glissé. La touche à venir. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise.
Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Quelle interception! Quelle solidité! En la profondeur, bien vu. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Pas mal ce tacle. En retrait vers son gardien. Allez, oui, ça part bien. Palmer. Intercepté, c'était chaud. Messi. Oh oui. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Une longue frappe qui finit au fond. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. 2-0, le break est fait, on est reparti. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Leimer qui est récompensé de son pressing. Nouveau centre. Voilà un coup franc intéressant. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. Bruno Fernandes, il va sans doute préférer centrer, elle est compliquée à frapper directement. Allez, se concentrer sur ce coup de pied arrêté. Il frappe. Oh, il a complètement manqué son geste. En tout cas, on ne peut pas le reprocher de tenter les choses, mais bon, ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance. Mais ça va pouvoir repartir. C'est joué dans l'espace. Vinicius Junior qui est bien placé. Nicolas Tagliafico. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Oui, il a l'air dégoûté. Franchement, on le comprend en plus. C'était tellement bien amené. Premier corner dans cette rencontre. C'est joué court à 2. Vinicius Junior, la tentative. Une parade magnifique. Ah, ça c'est magnifique, chapeau. Et ce sera leur deuxième corner dans ce match, alors que leurs adversaires n'en ont eu aucun pour l'instant. Le corner est joué court. Et voilà un énième corner, encore un. Troisième corner en leur faveur, alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun jusqu'ici. C'est joué à 2. Vinicius Junior. Il tente la frappe. Ah, c'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Il ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a frappé fort. River Plate va tirer son 4e corner du match, alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. Ah, c'est joué court. Il tire. Ederson, quelle intervention! Oh, mais quelle parade! Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. River Plate se prépare à tirer son 5e corner, alors que leurs adversaires n'en ont eu aucun pour l'instant. Et ce corner à la rémoise. Allez, c'est dangereux! Aucun danger pour le gardien. Mais c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Ils sont bien concentrés, regardez ça. Encore intercepté. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, très bonne anticipation. Nicolas Tagliafico. Oh oui! Oh, quelle frappe! Quelle inspiration! Quel geste! C'est tout simplement incroyable! Magic! Il était attendu et il répond présent! Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout...
Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Ils ont été sérieux derrière et plutôt efficaces en attaque. Que demander de plus? Tout n'a pas été parfait, mais le manager est sans doute très content de ce que réalisent ses joueurs jusqu'ici. River Plate qui rejoint donc le vestiaire avec 3 buts d'avance. On a hâte de voir les ralentis de cette première période. La seconde période, c'est parti. Vinicius Junior. Quel timing dans l'interception. River Plate qui semble tendre un piège à son adversaire, à en juger par sa ligne défensive très basse. Oui, on dirait bien. Ils ont pas mal reculé, mais c'est sans doute pour mieux essayer de les prendre en contre. Paredes. Il interrompt cette longue séquence. Bien joué. Messi, Bellingham. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. La défense est très solide. Messi. Oui, ça peut être dangereux. Bruno Fernandes. Oh, voici Neymar. Ça va atterrir dans l'axe. L'interception, bien joué. L'ouverture lumineuse. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Palmer. De Paul. Il est passé. Il tentait d'y aller en force. Ça ne passe pas. Bellingham. À droite. Non, ça manque d'application. Bruno Fernandes. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Le bon dribble. C'est parfait, magnifique. La frappe. Encore une chance. Quel but! Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. Il était attentif sur le premier tir et coup de bol, le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. Il réduit le décart, encore deux buts à rattraper. Tagliafico. Ça, c'est une interception parfaite. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Il est passé. Messi. Oh, la main ferme. Oh, le gardien est là, la classe. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Et ce sera le 6e corner en leur faveur dans cette rencontre, alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun jusqu'ici. Ah, il a joué à deux. Vinicius Junior, il frappe au but. Déjà le 7e corner pour eux dans ce match, alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. Un peu de répit. Il tente sa chance. Et le cadre se dérobe largement. Il y avait de l'idée, il y avait de la puissance, mais ça manque de précision cette fois-ci. C'est joué dans la profondeur. Tagliafico. Oh, s'il réussit son contrôle. C'est joué long, c'est dangereux. Il cherche la profondeur. De Paul. La passe était parfaite. Dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Il choisit le côté gauche. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Le ballon dans la profondeur. Il peut frapper, et c'est le but! Il compte désormais 3 buts d'avance, leurs adversaires sont KO debout là.
Et vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. 3 buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. Oui, c'est bien ça. Le bon dribble. Neymar. Il peut récupérer. Deuxième chance. Oh, but. Yes, goal. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir était difficile à capter. Bien joué. C'est reparti et il n'y a plus que 2 buts d'écart désormais. C'est joué long. Il parvient à centrer. Attention avec les tacles. Dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Neymar, il allonge le jeu. Ils obtiennent la touche. Substitution on the field, number 5, Lautaro Martinez, number 18. Oh, Luis Suarez, comme quoi, number sans two, maîtrise, la puissance n'est rien. Coming oh, l'occasion, il est passé, Mbappé, et c'est au fond. Oh, ça bascule en toute fin de rencontre. Oh, le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien, là, il était masqué, il ne voit le ballon qu'au dernier moment. Juste d'entrée et il est déjà décisif. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Substitution in progress. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Leimer, la passe dans la profondeur. Ils font tourner le chronomètre, c'est bien. River Plate, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Ça joue long. Il est tout seul. Hakimi qui centre. Ça défend comme ça peut. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. La longue passe. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, l'occasion! On a failli voir un but magnifique! C'était un véritable bijou dans l'espace. Ça a surpris tout le monde. Oh, il s'est bien battu. Ballon récupéré. Davis. Bien servi, Bellingham. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Sans doute le corner de la dernière chance, ça va monter.
voici un corner qui pourrait tout changer. Et la tête, c'est pas fini. Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le coup de sifflet final vient de retentir. On s'est régalé jusqu'au bout dans ce match très serré. Bien sûr, il y a eu des défaillances en défense. Bien sûr aussi qu'on a vu de très belles choses en attaque. Elle est importante, cette victoire. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Écoutez, ils jouent à l'extérieur et ils gagnent. Que demander de plus? Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. C'est toujours un plaisir de vivre ces moments avec vous.